Incendie, il existe dans le département et en France, chaque département, chaque centre de secours a une qualité spécifique. Son nom et il doit protéger, peut-être nous, la forêt. Alors, est-ce que quelqu'un que l'on nous connaît son nom, sait à quoi il sert, est-ce qu'on l'a déjà vu chez lui, dans son usinage en... Le Camiva. Camiva, c'est une marque. Oui. C'est marque. Il a lu dessus. Mais c'est pas... Non, c'est pas Camiva, c'est une marque. C'est pas le nom. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Oui. Oui. En ville. Ouais, là, oui, ça c'est vrai. En ville. Là, oui, non. Oui, là, oui. En ville. Oui, bah, donc, en fait, c'est... Généralement, ça suffit, parce que ce sont des petits feux que nous, on a les techniques aussi pour des tas de feux de naissance. Mais quand c'est un feu général, il y a un bâtiment qui relance. Voilà. Ce sont des tuyaux déroulés sur le mât. Donc, il y a deux diamètres différents, parce qu'il y a deux types de lances que je vais montrer. Il y a le DV500, on va appeler ça le DV, lance 10 pieds variables, par contre, lance à 10 pieds variables, pour aller nous ouvrir. Et notre lance, le DV1000, c'est-à-dire qu'il peut envoyer 10 litres de l'eau. Bon, ça c'est un gros feu. Le type de feu, je ne sais pas si vous avez bien. Vu l'homme d'alimentation, vous avez compris son rôle, c'est d'alimenter le fourreau avec l'aide du conducteur. Son premier rôle, après il va faire autre chose, bien sûr. Et binôme d'attaque, lui, son premier rôle, c'est faire le sauvetage, c'est peut-être sur le sauvetage, ou un animal. Hein. Ou alors établir les premières lances pour pouvoir attaquer le feu. Donc, bien sûr, chez la loi, va donner son décision. Oh, bye. Il est où, jeune? Il est où? Et ils vont trop bizarre. Ils sont tous les trois dedans. Je sais pas si on le